Good morgen, allez, Yidane, sur aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Tzrik Vefani Dvorah Bat Esther, René Avraham Ben Mordechai. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Yevamot, Perek Yud Gimel, Mishnah Yud Gimel, Yag Yag. Anoder et Anam Yevama, Bechaye Ba'ala, Kofin Oto Sheyachalotz La. Le Achar Mitat Ba'ala, Mevakshim Emenu Sheyachalotz La. Mishnah, pas très compliqué, à condition qu'on va l'expliquer bien. J'espère que je vais bien organiser mes idées. Bezrat Hashem. On va d'abord introduire avec autre chose. Une donnée de base. Un Yavam et une Yevama, ils sont censés décider. Est-ce qu'ils vont faire le Hibo, est-ce qu'ils vont faire la Khalissa? Des fois, on va influencer leur choix. Si toutefois, il n'y a pas de rapport entre eux, lui c'est un vieux, elle est toute jeune, ou c'est le contraire, lui, il est tout jeune, elle est toute vieille. Comme le Mishnah nous dit, la Gemara nous le dit, c'est sûr qu'ils vont finir par se jeter les assiettes l'un sur l'autre. Ils n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas... Mais en temps normal, s'ils sont aptes à se marier, il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas de quelqu'un de désagréable, il n'y a aucune raison. Lui, il veut faire le yiboum, et madame ne veut pas de lui. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille? C'est la donnée de base, en fait, de la Mishnah. Alors, on va l'écrire une Igeret Mered. Igeret Mered, c'est-à-dire qu'on va l'écrire que, dans ce cas-là, elle était Moredet. Elle ne veut pas remplir ses devoirs. Comme elle avait le devoir avec son mari, elle ne veut pas remplir ses devoirs. Dans ce cas-là, si ça se passe comme ça, le Yavam, lui, il a le droit de dire... Alors, d'abord, on met ça de côté maintenant, je reviens un petit peu en arrière, et je dis autre chose. Quand la femme, elle était mariée avec son premier mari... Son premier mari s'est engagé à lui donner une ktouba, beaucoup d'argent, ça peut être 100 000 shekels, 200 000 shekels, 1 million. Lorsque le Yavam va prendre cette femme, alors lorsqu'il va se marier avec elle, il s'engage de lui donner donner à partir des biens qu'il a hérités de son frère, de donner cette somme-là à cette femme le jour où il la divorcera. Si toutefois il décide de lui faire la khalitsa, il devra aussi lui donner cette ktouba. Mais si on parle d'une femme qui est moredet, qui n'a pas envie de lui, alors que lui, non, oui. Lui, il est bien partant pour se marier avec elle, elle est bien. Et lui, et elle, elle dit non, j'ai pas envie, je préfère vivre ma vie, ça y est, c'est tout, qu'on me donne ma ktouba. Alors, on va pas le forcer à faire la khalissa. Lui va dire qu'elle reste comme ça si elle veut. Elle recevra pas sa ktouba pour le moment. Si, on va, alors maintenant, on va lui, dans un cas pareil, on va essayer quand même de l'amadouer. Est-ce qu'il veut lui faire la khalissa ou pas? Et alors, ça se passe comme ça. Si finalement il cède, il dit, bon allez, je vais lui faire la khalissa. Tu vas lui faire la khalissa, tu vas lui faire la khalissa et tu vas lui donner aussi sa ktouba. Mais si lui il s'entête et dit, je ne lui fais pas la khalissa, elle, si elle renonce à la ktouba, alors on va le forcer à lui à faire la khalissa. Vous avez compris comment ça se passe? C'est très simple. Ça fait beaucoup de mots, mais c'est le principe est très simple. Ils ont un devoir quelque part, un devoir moral ou un peu plus même, un engagement à continuer le mariage, le premier mariage du mari. Elle décide maintenant qu'elle ne veut plus alors que lui il veut, il n'y a aucune raison à ce qu'elle réclame une chose pareille, alors on ne le force pas à lui faire la khalitsa, parce que s'il va faire la khalitsa, il va perdre de l'argent. Donc pour le moment, il la laisse comme ça en stand-by. Si toutefois elle accepte de renoncer, alors on va d'abord quand même essayer de l'amadouer, peut-être qu'il veut quand même faire la khalitsa, et s'il faut rester au moins qu'il lui donne aussi l'argent. Mais s'il s'entête, on ne le force pas. Jusqu'à que elle va dire non, alors je renonce à ma ktouba, et dans ce cas-là, on va le forcer à lui à faire la khalitsa. Ok? Le forcer, ça veut dire, on prend un bâton et on le frappe, jusqu'à qu'il accepte de le faire. On n'est pas une femme comme ça. D'accord? Ça existe encore aujourd'hui, d'ailleurs, les sarvan guet, c'est plus fréquent, quelqu'un, un homme qui ne veut pas donner le guet à sa femme, il y a toute une police, toute une... des gens qui s'occupent de lui casser les dents et de lui broyer les os, jusqu'à qu'il accepte de donner le guet. D'accord? Kofin toi tu es marotzen. C'est détenu dans la Gemara. Quelle durée de violence, mais en tout cas, c'est assez violent quand même. D'accord? Je reviens sur le vif du sujet. Une fois qu'on a compris ces deux données, soit, je reprends, s'ils sont aptes à être ensemble, on lui demande, d'abord, dans l'ordre. Tout d'abord, il faut donner la ktouba, si jamais il fait la khalitsa. Si lui veut faire le hibou, mais elle ne veut pas, et qu'il n'y a pas de raison à ce qu'elle ne veuille pas, alors, on ne le force pas à faire la khalitsa et donner la ktouba. On va quand même l'amadouer. Si on l'amadoue et qu'il accepte, il devra donner. S'il n'accepte pas, alors elle sera en droit de renoncer à sa ktouba, et dans ce cas-là, on le forcera lui à faire la khalitsa. D'accord? C'est les données de base.
Maintenant, on a tout compris, la Mishnah, regardez. Nouvelle citation. Anoderetanaï miyevama. On en parle d'une femme, sa belle-sœur, qui a fait un éder qu'elle profitera jamais de son yavam. Mais là, il y a deux situations. Bechaye ba'ala, si elle a prononcé ce néder lorsque son mari était encore vivant, kofinoto chez Achlotzla, et qu'après son frère, il est mort, le mari, il est mort, qui était le frère du mec, du gars du yavam, alors là, on le forcera à faire la chalitza. Les achar mitat ba'ala, maintenant, si elle a fait le néder après la mort du mari, alors dans ce cas-là, mais vakshim emeno chez Achlotzla, on lui demandera est-ce qu'il veut bien faire la chalitza. Mais une kavna l'écart, mais si elle avait eu une telle intention, filo bechayeba là, même quand son mari est encore vivant, mais vacciné, même nos chers, on lui demandera est-ce qu'il voudra lui faire la khalitza. Alors on explique là, parce qu'on parle quand même de nouvelles notions, une fois qu'on a bien assimilé tout ce qu'on a déjà dit avant, alors maintenant, nouvelle situation maintenant, c'est qu'en fait, on a une belle sœur qui ne s'entend pas très bien avec son beau-frère. Depuis que Reuven et Rachel, ils étaient ensemble, et Shimon, c'est le frère de Reuven. Si maintenant, pendant qu'ils étaient déjà mariés et qu'ils n'envisageaient pas encore du tout qu'elle allait mourir sans enfant ni rien, ils sont souvent pris la tête jusqu'à qu'elle a juré, qu'elle a fait le néder, que plus jamais elle profitera de lui, elle ne veut plus entendre parler de lui. D'accord? Après, il s'avérait que son mari est mort. Maintenant, le hic. Rachel tombe devant Shimon, il doit faire le hiboum. Elle dit, mais j'ai pas du tout envie de lui, je ne peux pas le supporter. J'ai d'ailleurs fait un éder que je ne pourrais jamais profiter. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut même plus... Même si on veut mettre un peu de bonne volonté, je ne peux pas le faire, j'ai un éder. Mais je ne veux pas l'annuler mon éder, donc j'ai un éder, je suis bloqué, je ne peux pas, de toute façon, me marier avec elle, avec lui. Alors là, dans ce cas-là, puisqu'elle n'a pas fait le néder en prévision de ce hiboum, qu'elle n'avait pas de rapport avec lui, alors là, on va le forcer à lui à faire la khalitza. Parce que là, c'est pas de sa faute à elle si aujourd'hui elle est dans une situation où ils ne peuvent pas faire la khalitza. Le hiboum. C'est pas de sa faute à elle. Elle n'a pas nié, elle n'a pas rejeté le hiboum. Elle a juste rejeté le beau-frère quand il est encore beau-frère, pas quand c'est un yavam. Alors dans ce cas-là, on va le forcer à faire la khalitza et il devra lui donner aussi sa ktouba. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas rejeté le yavam. Par contre, la har mitat bala, quand son mari il est mort, et qu'elle est tombée devant lui, elle a dit, moi je vais me faire hiboum avec lui, jamais de la vie. Je fais le néder, que j'interdis d'avoir un rapport quelconque avec lui, je ne veux pas de lui. Ah, tu rejettes, tu es mauvais d'être, comment dis-moi, tu rejettes le yavam. Ah, tu es fautive, dans ce cas-là, il n'a pas d'obligation de te faire la khalitza. Vas-y, patiente. Mais quand même, mais vaccine, mais nous, chez Yachlotzla. On va lui demander à lui, est-ce qu'il voudra quand même lui faire la khalitza. Mais si toutefois il fera la khalitza, il devra donner la ktouba. Il n'aurait pas le forcer. Si toutefois, comme il nous dit le Bartonera sur ça, et qu'elle va accepter de perdre sa ktouba. Alors dans ce cas-là, on va le forcer à faire la khalitza. Mais pour le moment, on lui va dire, vous savez quoi, moi qu'elle reste. Elle fait le néder, moi qu'elle reste comme ça. Qu'elle va avoir des beaux cheveux blancs. Elle reviendra me voir. D'accord? Maintenant, Ve'im nit kavna l'écart. Maintenant, la Mishnah me dit, mais si toutefois, même quand elle était mariée avec son premier mari, elle a fait le néder parce qu'en fait, elle savait très bien que son mari, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et qu'un jour, elle allait se retrouver devant lui. Et donc, c'est pour ça qu'elle a prononcé le néder. Bechayebala. Dans ce cas-là, elle a été moredette dans le yavam. Depuis que son mari était vivant, puisqu'elle a renié le yavam. Même si elle était déjà mariée, alors dans ce cas-là, on ne va plus le forcer à lui à faire la khalitza et à donner la ktouba ensuite quand il mourra. Vous avez compris le principe? C'est-à-dire, en fait, en deux mots, si la yevama maintenant, elle refuse le yavam, si elle a un problème technique, même si c'est plus profond que technique, mais si un problème que concrètement, elle a pas la possibilité de partir faire le yiboum, parce qu'elle a un éder qui date de l'époque, alors là, on va dire, alors, elle est tombée devant toi, mais tu ne peux pas lui faire le yiboum. Alors tu es obligé de faire la khalissa, tu fais la khalissa, on te force, et tu lui donneras la ktouba. Mais si toutefois, elle a fait exprès de renier les yavam, parce qu'elle n'avait pas envie de se retrouver devant les yavam, alors là, dans ce cas-là, mevakshin emenu sheyachlotzla, même si elle était déjà mariée, on lui demandera de faire la khalissa, d'accord, et de donner la ktouba, s'il veut.
C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.